C'est parti. Je déteste déjà ce jeu. La Thaïlande, on adore ça. Super, super. J'adore. La Thaïlande ou le Cambodge ou le Laos. Je crois que c'est Thaïlande. Stop. Déjà, il y a un stop en anglais. Il y a des touristes. Donc, c'est pas un truc trop perdu. Pas trop. Mais encore. Que dit ? Mais encore, mais encore. Là, il y a un truc. Et alors ? Qu'est-ce que tu fais ? Hein ? Il y a quelque chose ici. Mais je ne sais pas ce que c'est. Et alors ? Tu sais que tu peux pas aller là. Tuk tuk. No smoking. Ah, s'il y a des no smoking, des stops, etc., c'est que c'est quand même un lieu un peu. Hein, un peu touristique. Ah, là, c'est quoi ? On ne sait pas. Ban Kili. Ban Kili. Je sais pas ce que c'est. Ah. On était sur la Sakhalin Road. Il y a quand même des panneaux en anglais. Oula. C'est des chaussettes. Alors là, Suvan Na Kam Phong Road. Ah bah ça va m'aider ça. Du coup, est-ce qu'on serait du côté de Bangkok? Il y a de l'eau. Il y a de l'eau tout près. Un gros fleuve. Ah, il y a un drapeau du Laos. Ah, c'est peut-être le Laos, du coup. Alors, est-ce que ce sont des drapeaux du Laos parce que... Ok, il y a un drapeau communiste. Pourquoi il y a des drapeaux du Laos partout, donc ça me semblerait étonnant qu'on soit pas au Laos, du coup. On serait du coup à Vientiane ? Vientiane ? Est-ce que Vientiane, il y a des noms de rues ? Ouf. Il y a des noms de rues, mais c'est pas ouf. Hein. Ah, mais il y a des roads. Ah ! Il y a des roads. Il y a des rues aussi. Ah ben oui, il serait qu'on est au Laos, donc non. C'est logique qu'il y ait des rues. Et donc on avait la Sakhalin Road et la Suvanakamphong Road. Donc, là. Non, faut que je regarde près d'un fleuve. C'est quoi ça? Rue Tadiva. Doncha Road. Rue Lao Tai. Merci. Vous êtes bien urbaine. Et là, c'est quoi comme rue? Il est pas mis. Pas de nom de rue. Ok. Ah, c'est par là? Ah, si, voilà. J'allais dire, je préfère rester sur le bord du fleuve. Ça permet d'avoir un point de repère assez important. Un
Encore des drapeaux communistes, encore des drapeaux du Laos. Sayo River Guest House. C'est pour ça, j'ai vraiment l'impression qu'on est près du Mékong comme ça ici, mais... Après, il y a beaucoup de petits villages. Là, ça a l'air d'être quand même une grande ville. Là, c'est quoi? Non, pas du tout. Oui. Ouais, mais c'est ici, mais... Ça m'a l'air quand même petit par rapport à... Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est à Vientiane. Il y a quoi d'autre comme, comme rivière? Ah, il y a ici aussi. Non, t'as eu, ah, c'est vraiment tout petit. On n'est plus au Laos. Ah si, on est toujours au Laos. Ah oui, je suis con. Ah, et encore ici, Paxé. Non. Non. Non, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans la capitale. Je vais rester là. On va essayer de trouver. Donc oui, il y a des drapeaux du Laos partout, donc... Non, je dis Laos depuis tantôt, c'est bien Laos, c'est comme... Non, c'est avec Laos. Nova Tour. Un Peace Mile Tour. Ça, c'est vraiment tous les trucs du Mekong. C'est un Mekong Cruise. On a... Ouais, si, on est vraiment là. Chill Zone. T'aimes ces drapeaux communistes partout, quoi. J'aimerais à la limite trouver un pont ou quelque chose du genre. Confirmé, mais je ne trouve rien. Mekong Waterfront. Ah, on serait de l'autre côté, du côté de la Thaïlande. Ce serait bizarre. C'est bizarre que du côté de la Thaïlande on mette des drapeaux du Laos partout. Mais... Et en plus il n'y a pas de nom de rue, donc non, c'est pas ça. J'avais trouvé Ban Kili. C'est ça qu'on a trouvé. Tu sais, si j'ai pas vu le nom de la rue depuis tantôt, parce que je sais pas si on est toujours sur la Souvan, quelque chose de road, ou si on est sur la rue Tedua comme il me l'indique là. Ah, ici, il y a une autre route. Ouf, ouais. Non, en fait, pas du tout. Non, pas du tout, c'est pour... c'est une pub. Laundry service. Il n'y a pas de... C'est terrible. Pas d'infos.
Italie. Non. Ouais, là, on quitte la ville. En allant vers le sud. Pour moi, on doit être dans ce coin-là, mais j'arrive pas à voir. Ah, c'est peut-être ça. Peut-être cette rue-là. Ça me semble le plus logique, Mekong Waterfront. Moi, je dirais que c'est... Quoique non, en fait. Oh là 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 là. Je ne trouve pas. C'est terrible. C'est terrible. Retourner ici. Ça va aller, oui. C'est à gauche. On est toujours... Est-ce qu'on est toujours sur le bord de la rivière là? Non, je pense pas. Je viens de voir s'il y a d'autres noms de rues qu'on pourrait voir. Non. On est toujours sur le bord de la rivière. Hein. Que je regarde mal, c'est que. Parce qu'en fait, on est à Phnom Penh. Non. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est de plus en. Kali, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas où on est. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Mais c'est Laos, c'est pas le Cambodge, hein, ce drapeau. Hésite. Sok Palwang Road. Je ne comprends pas. Suka Seumo Road. Hello Joic. Non, je suis très perturbé. Même sur comment la rivière tourne par rapport à ici. Est-ce que c'est pas possible que ce soit ça non plus? C'est trop petit. Et je vois pas d'autres villes où ça serait comme cela. Donc pour moi, ça Vientiane. Mais je ne... C'est quoi ça? Kua Luang Road? Fagnassi, je ne sais pas. Rimasot.
Non, c'est que des quais, et en plus, c'est ça qui est bizarre. On va aller par là pour voir. Parce que je pense qu'on retourne sur le. Ouais, c'est ça, on retourne sur la route où on était. La Sakhalin Road. Ah. Une rue piétonne. Sisavangvang. Putain. Ah. Attendez, j'ai juste. Voilà. Alors, Sisavangvang. Je peux noter, mais ça va être. Je l'ai noté très mal. Sisavangvang. Voilà. Sisavangvang Road. Et donc, du coup, je peux pas y aller? Ou si? Si. Je peux quand même y aller. Hop. Est-ce qu'on aura un peu plus d'informations? Le taxi, il n'y avait pas de. Il n'y a pas d'indication. Service Kwangsi Waterfalls. Kwangsi Waterfalls. Est-ce que ça peut se voir de loin? Les Kwangsi Waterfalls. Moi, ça va être près du Mekong de toute façon. Pas du tout. Non. Non. On cherche tout. Hein. À Kwangsi, Trek. Du trail. Après, c'est très touristique, hein, clairement. Qu'est-ce qu'il fait? Ok. Ouais, donc il y a des waterfalls quelque part, mais je ne sais, je connais pas du tout la géographie du pays pour savoir où c'est. Où y a-t-il des chutes d'eau? Si ce n'est pas à Vientiane. Ah, province of Luang Prabang. Luang Prabang, putain. Et il y a le Mekong là. Et il y a le Mekong. Ok, donc c'est logique. Oui, voilà. Ok, 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 voilà, je comprends mieux la rivière, d'accord. Ok. Maintenant, il faut qu'on trouve les routes. Ça, c'est pas dit. Ah. Les rues ne sont pas indiquées. Ah si, Sisavangvang Road. Ok. Et Sakhalin Road, voilà, 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 on y est. On est arrivé au bout de 19 minutes. Attends, c'est pas encore fait. Loin de là. Ouais, Kemkong, King Kitsai. Je crois qu'on était là-dedans. On retourne au point de départ. Donc là, on va vers le sud. Ah, on va vers le sud, quoi? Attendez. Oui, on va vers le sud, oui. Puis vers la gauche. Ah, c'est peut-être le deuxième. Non, c'est le deuxième en fait. Qu'on voit. Donc normalement, il y a quoi? Il y a Xingteng Yogurt. Ça ressemble à un petit magasin nul. Donc ouais, ça doit être ça. Ouais, ça doit être ça. Je crois que c'est ça. Parce que normalement on sait aller de l'autre côté.
C'est pas une route fermée, hein, non. C'est pas une route fermée du tout. Hop, c'est ça. Ouais. Ok. Guess. 12 mètres, parfait. Oh la vache, putain. Après le Laos, je sais pas où on est. Je sais même pas par où aller. Et je ne sais même pas par où aller. Ah, ok, voilà. Petit panneau qui peut nous aider. Sauf que pas du tout. Alors. Djemal, donc ça c'est vers l'est. On a Sfax et Madia vers le sud. Sousse, ça me dit quelque chose. Sousse, c'est la Tunisie, je pense. Vers le oui, vers l'ouest. Donc ça c'est bon. Sfax, Monastir, Sousse. C'est bon. Madia est là. Putain, Sfax, Madia. Donc on est dans ce coin-là, j'imagine. Sous ce monastir vers l'ouest. Sous. Djemal, il faudrait que je trouve Djemal. El Djem. Djemel. J'imagine que c'est... Ça ressemble, hein. Ouais, non, ça ressemble. Et donc, on avait Ksar Elal aussi, qui était... de l'autre côté. Je pense que c'est ça, Djemel, ça doit être ça. Est-ce qu'on serait dans ce coin-là? Tournez au point de départ. Donc ça, c'est vers le nord que ça Relal. J'essaie de voir si, si éventuellement l'écriture arabe peut m'aider. En fait, pas du tout. Ksar Elal. Je vais rester sur le truc pour aller voir le fameux rond-point. Voir si il donne plus d'indications. Ah, l'autre côté, c'est Moknin. J'ai l'impression de l'avoir vu, Moknin. Non? Oui, Moknin est là. Et Moknin... Donc, on... Attends, quoi? Ah, Ksar Elal est là, ok. Ksar Elal est là. Ah, donc on est sur ce truc là en fait. On est là. Parce que là. Attention. Attendez quoi? Touza. Djemel. Ah oui, Touza est là-bas. Djemel. Et l'autre côté c'est Narbia. Je sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Mais pour moi, là c'est le petit rond-point nul. Là-bas on va vers Sousse. Ouais, c'est ça, Monastir Sousse. Ça c'est logique. De l'autre côté on va vers Djemel. Et là-bas. Là-bas. On va vers Sfax, etc. Donc, oh, enfin, oui, qui est plus, beaucoup plus bas, voilà, qui est là en dessous. Et Madia. Madia est là. Donc, ouais, si, c'est logique. Ouais, je pense qu'on est là. Parce que là, du coup, quand on revient, la route, soit elle va tout droit, soit elle part vers la gauche. Apparemment, il y a un petit rékéké là. Ça, c'est ce petit chemin là nul. Ça, c'est ça. Voilà.
Et au point de départ, moi je dirais que c'est ça du coup. Station service sous douce, non, non. Je dirais qu'on est là. Je vais regarder s'il n'y a pas un autre chemin au cas où. Ça, c'est des entreprises. Toujours des entreprises. Non, il n'y a pas de chemin. Hein. Il n'y a pas de chemin avant le petit machin. Ouais, donc c'est bon. Je dirais qu'on est juste là. Ouais, c'est ça. Voilà. On est là. Ouf! 158 mètres. Attends, le point est pas du tout le même. Putain, j'ai de la chance, mais là, le point est pas du tout où il est. Ah bah si. Ok. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. On est bon. Alors. Ouh là 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 là. Où est-on? La Norvège? Non, Nouvelle-Zélande. Peut-être Nouvelle-Zélande. Peut-être Nouvelle-Zélande. J'avais cru voir un panneau, ouais. Pas du tout, c'est juste pour une aire d'autoroute. Oh, c'est beau, hein. Ah, le lac, c'est quelque chose. Je vais y aller. Hein. Alors là, je suis pas sûr qu'on va trouver un drapeau très vite. Travelon Coaches. Voilà. Un vieux coach. Pas de, non, pas d'informations sur ton bus. Putain, le lac. Et surtout la vue qu'on a avec la route, c'est très beau. Qu'est-ce que c'était que ça? C'était juste. Ah oui, juste faites attention. Kiwi Campers. Ouais, donc c'est une nouvelle zélande. Ça c'est bon. Le kiwi. Alors, c'est beau. C'est pas ça le problème. Mais j'aimerais bien trouver un autre panneau, quoi, parce que savoir que c'est la Nouvelle-Zélande, ça ne m'aide pas. Le lac est fini. Il y avait... C'est un panneau? Okuti Valley. Okuti Valley. Est-ce que genre ça dit quelque chose à quelqu'un? Non. Non, je vois pas comme ça. Il y a encore le nord aussi. Mais c'est beau. Ah, la route a été refaite. Alors. Le Giant Pumpkin Festival, bah dis donc. Qu'est-ce qu'on s'amuse. A little river. Venez voir la le gros potiron. La grosse citrouille. Little River, je vais quand même le noter. Ça semble le petit village le plus proche. Putain, y a rien. Y a rien à des kilomètres à la ronde, quoi. Little River Vet and Catchery. Oui, donc ça c'est bon. Little River, j'ai bien fait de le noter. Hein? Quoi? Non, retourne, voilà, merci. Mais, laisse-moi sur la nationale. C'est terrible. Fire danger, oh putain. Fire danger today.
Alors, Birdlings Flat, Caltoret et Spit. Ouais, d'accord. Ouais. Ce que je note quand même, c'est ces petits noms de ville nuls. Allez. Allez. Birdling Flat 2K et Cal Spit. Ok. Je pense qu'on va partir de l'autre côté après parce que ici on n'a pas grand chose malheureusement. Ah! Ok. Oui. Toujours pas. Et on s'enfonce un peu plus vers le nord. Qu'est-ce que c'était que ce panneau? Rien. Rien. La Little River, 10 km quoi. Quand même. C'est loin. Je veux quand même savoir ce qu'il y avait au carrefour. Bah rien. Kaituna Golf Course. Donc nous c'était Okuti Valley et Little River. Sait-on jamais, peut-être peut-on le trouver comme ça. Ce serait fort. Ah, Otaki. Alors, Otaki oui. Mais je reconnais pas trop quoi. Oui, il y a peut-être un Otaki Valley et un Otaki la ville. Ce qui du coup rend compliqué la recherche. Parce que ça, ouais, c'est pas du tout le même style de route. On retourne au point de départ et on va partir de l'autre côté. Je crois que c'est plus intelligent. C'est de trouver le nom de cette route. C'est pour dire qu'il y a l'air de repos et toujours le lac à côté. Il n'y a que dalle sur cette route. Ça tourne. Vive la Nouvelle-Zélande. Ah, un hôtel. Super. Super. Little River Hotel. C'est quand même un gros machin, Little River, celui-ci. Ou alors c'est plutôt qu'il y a que ça, quoi. Ah, Otaki aussi, ici. Il y a des... Ah non, c'est Okuti. Putain, mais depuis je dis Otaki alors que c'est Okuti. Okuti. OKUTI.
Je cherche, hein. Je cherche Little River. Mais je ne trouve pas. Malheureusement. On va finir par trouver, hein. J'y crois. Ah oui, là, il y a un panneau. Okuti Valley, Thousand Bays. Mais putain, Okuti Valley. Ça va quand même être un truc un peu connu, quoi. Que dalle. Juste pour dire qu'un hôtel. Oui, juste pour dire qu'un hôtel. On n'aura jamais le nom de cette route. Manaya. Putain. C'est terrible. J'ai noté tout et... Pour rien. Pour rien. Little River, et donc voilà, là on arrive à Little River. Okuti Valley, encore une fois. C'est terrible. Ah, no exit par là. Donc ça c'est la station essence qu'on avait vue. Mais on est sur quelle route, s'il vous plaît? Manaya, ouais ça oui. Parce que tu vois que c'est une petite ville malgré tout, c'est pas très imposant. Hein. Port-Lévis. Port-Lévis. J'avais eu l'impression d'avoir vu ça, mais visiblement non. Je vais quand même le noter en plus, parce que... Visiblement, je ne trouve rien. Ah bah le fameux Giants Pumpkin Festival. Donc on repart à 100 bords, 100 km/h. Ils ont vraiment peur d'aller, ils n'aiment pas les oiseaux. Il n'y a que dalle d'autre quoi. Rien du tout.
Le fameux port Lévis. Je vais rechercher encore tout ça, hein, parce que je vois pas. Je vois pas du tout. Si un truc qui s'appelle Port Lévis, c'est que ça doit être près de la mer. Mais rien à faire. Waka Valley. Non, c'est Okuti. Port Chalmers. Ah, Birdie, Little River, putain. J'allais jamais y arriver. Donc on est près du Lake Forsyth. Okuti Valley, oui. Super. Pour Olivier là-bas. Ok. On retourne au départ. C'est 42-25. Oh, mais donc là il y a un petit machin, mais je ne sais pas si c'est ça. La route fait comme ça, puis elle retourne. Donc ouais, ça me semble être dans ce coin-là. Hein. Et il met quelque chose. Hein. C'est juste un bridge. Là, il y a des trucs. Je dirais que c'est ça. 52 mètres. Oh, malheur, sérieusement. Ce jeu me déteste. Ah, on est au Ghana. On est au Ghana. Ghana, toujours. Pour regarder en dessous. En haut à droite. S'il y a un autocollant noir de ce type, c'est que vous êtes au Ghana. Ne me demandez pas pourquoi. Je n'en sais moi-même rien. Bon, on va aller vers le nord. Putain, sérieusement. Ce jeu me hait. Il y a un petit truc d'eau. Pour faire genre. C'est quoi? Coco ligu. Sérieux. Ah voilà. Coco Gui. Gio. There go. I speak French, so it's a French stream. Sorry if I don't speak other languages. Ce sera en français. Quel est ce camion? Zanoni. On va pas avoir d'adresse sur ce genre de camion, évidemment. Malheureusement. C'est quoi le petit panneau? Que dit ce panneau? On ne le saura pas. Putain.
Lef. Cuir. Lek. Attends. Non, Lek. Uir. Junction. Je ne sais jamais. Je note. On verra ce que ça donne après. Clairement, ça se sent pas bon. Ah. Lambussi Carny District à 1000. J'ai noté ça parce que ça peut aider. Ça peut aider. C'est pas noté en très grand visiblement. Non, je trouve pas. Pas comme ça en tout cas. C'est d'aller vers le sud après. Hein. C'est juste d'en prendre une station service. Super. Mais il est pas mis, malheureusement. J'espérais trouver tomber sur un nom. Au moins qu'on sait qu'il y a une station-service plus au nord. Il y en a plein. Ouais, donc Amil, c'est quand même un truc connu. H-A-M-I-L-E. J'ai l'impression que c'est dans le coin. Je ne trouve pas un mail. Je ne trouve pas un mail. Et en plus, cette province n'a pas de district. Terrible. On va essayer de repartir au départ. Partir vers le sud. On aura un peu plus d'indices, il y a un panneau, il y a un panneau. Bah c'est la même chose, non? Ah non, il y a une Coco Ligue. Toujours Coco Ligue, hein. Ça il est là. Je vais noter. Je vais mettre Coco Ligue comme ça. Il n'y a pas grand chose de plus au sud en fait. Ah si. Qu'est-ce que c'est? Ah bah non, rien à voir. Putain, yeah. C'est moi qui rêvais en fait. Putain, de loin on aurait dit un panneau, sérieusement. Quand je regarde... Ah oui, comme ça a l'air d'être un panneau et en fait pas du tout. C'est une maison verte. Oh. Salaud. Hello. Oh là là. Le Ghana, quel enfer. J'aurais eu vraiment tous les pires pays, quoi. Niveau recherche, hein, je parle. Parce que tomber sur ce genre de chemin au Ghana... Même pour placer mon point après, même si je trouve plus ou moins où on est, ça s'annonce complexe. Oui.
pour pas essence qui ne fonctionne plus. Non, retourne, merci. Un bus. Je vais voir ce qu'il y avait inscrit sur ce bus. Reviens le bus. Drama tour. Rien mis? Non, il n'y a rien mis. Et merde. J'espérais un nom d'une liaison, quoi, mais que dalle. Même sur les camionnettes, il n'y a rien. Non. Pardon. Non. Est-ce que donc j'ai fait tout ça pour rien? J'aurais dû repartir vers le nord et continuer vers le nord? Visiblement oui. C'est la leçon que nous allons tirer de tout ça. Oh la vache. T'aimes le chemin, ça me fait vraiment penser... Ça me refait penser à la Mongolie. Un traumatisme. Terrible traumatisme. Village, mais il n'y a pas de panneau intéressant. Ah, trop loin. Oh, non, ça ne nous aidera pas. Eh bien, c'est un grand nom. Partir vers le nord. On va partir vers Amil. Ça tourne un peu, donc il y a moyen peut-être de trouver le point en se disant qu'il y a un virage, donc ça reste un point de repère. En soi, le village est pas loin. Ouais, le truc d'Amil, c'est pas si loin que ça. Bon, allez, on va re-regarder les panneaux. Ouais, Nandom Rural Bank, Amil Agency. Ça me tue de pas trouver Amil. C'est pas un quartier d'Accra quand même. Ah non. Kumasi ? Ah non, non plus. Non plus. Que dalle. Non, je ne sais pas. Bonjour. Ça a l'air sympathique, hein. Putain, mais ils aiment les stations essence ici. Ah, bonjour Lan. Bonjour. Amil Upper West Region. Upper West, donc du coup ça doit être dans ce coin-là. Ou est-ce que du coup je me serais fait avoir et en fait on n'est pas du tout au Ghana? Triste. On
On n'est plus du tout au Port West. Au Ghana oriental. Donc oui, ça va être dans ce coin-là, hein, putain. Ça me rend ouf. Coco ligu. Ah, il y a coco ligu aussi. Putain, c'est ouf. Je ne trouve pas. Voilà, je suis déjà plus, voilà, je suis plus du tout dans, dans la région qu'il faut. Parce que Kulungu, ça me fait vraiment penser à Coco Ligu, mais pas du tout en fait. Oh, ah oui, encore des trucs comme ça quoi. Putain, mal, sérieux. Ah ouais, mais d'accord. Allez, ça y a encore moyen de faire comme ça quoi. Je suis saoulé. Parce que je suis certain de la région. Je suis certain de la province. Et pourtant, que dalle. Continuer. Non, je reviens en arrière. Et voilà, à 1000. Terrible. Regardez-moi ça, c'est quand même une, c'est quand même une grosse ville, quoi. Enfin. Oh. On est près du Burkina Faso, ok. Tout mou. Tout mou. Ah putain. C'est pas du tout où j'étais. Putain, c'est pas du tout où j'étais. Oh. On était là-dessus alors. Du coup, ok. Alors, par contre. Un coco ligu. Qu'on a maintenant trouvé où on est exactement. Et là, c'est plus compliqué. Bon, on a déjà perdu de toute façon par rapport au temps qu'on voulait faire, mais c'est pas grave. Alors, si on va au nord, là, il y avait un chemin vers Coco Ligu, justement. Il y aura un autre chemin. Mais non, hein.
Ah, je dirais qu'on est juste là en fait. Moi, ça sent un peu. Ici. 86 mètres. Allez. Manhattan Museum. Bah, dis donc. En Suisse ou en Allemagne? Pour terminer. Oula, Vordenberg. Oula là là, y a plein de trucs d'un coup là. Oula. Je ne connais pas du tout toutes ces villes. Liesen. 43 quais. Admont. Jones Bash. Ça sent pas des panneaux suisses par contre. Je pense que c'est autrichien ou quelque chose du genre. Stadterboden. Oui, Grasse. J'avais pas vu qu'il y avait Grasse. Alors, est-ce qu'on est près de Grasse? Grasse qui est donc au sud. Alors, Autriche. Grasse est là. Donc Grasse est là. Donc Stadterboden. Je connais rien du tout à l'Autriche, j'avoue. Je suis un peu nul au niveau de la géographie autrichienne. Leoben. Leoben, je l'ai vu. Oui, Leoben est là-bas, 44 km. Elsenerz. Ce que je comprends pas, c'est que Grasse est vers le sud, tout comme Leoben, ce qui n'est pas très logique. Oh là là, je comprends rien. Je comprends rien à ce qui se dit. Il y a 50 000 panneaux, mais pour des trucs qui sont quand même assez lointains. C'est-à-dire il n'y a pas de panneaux pour dire dans 2 km t'as dans telle ville quoi. Kohlercentrum. Bon, écoutez, on va avancer par là. Parce qu'on est dans un village. J'imagine qu'il y aura peut-être un panneau à un moment. Quelque chose. Les pompiers. Petite ville sympathique. Au milieu des montagnes. Freibad. La piscine. Donc ça c'est bon. Friedhof, ouais, mais j'aimerais bien un panneau de ville, moi. Sans de points, donc il y a quand même des bornes routières, donc. Pourrait trouver le nom de la route. Ça nous aiderait grandement, je pense.
Ah. Enfin. Iflo. Iflo. Où ça peut se trouver? Ça va être compliqué hein. De tomber sur le 115, 146. Est-ce que ce sont des noms de route? This is a question. Pense pas. Non, c'est pas des noms de route. C'est qu'à deux chiffres dès que c'est en bleu. J'y ai cru. Mais peut-être qu'on peut trouver le nom de la route. Iflo. Ça a l'air très joli, hein. Iflo, près de Staterboden. Peut-être dans ce coin-là. On va essayer de chercher le nom de la route. Le numéro de la route. J'ai cru voir Radmer quelque part, mais pas du tout en fait. Il était quand même mis 116, hein. C'est pas moi qui plante, hein. 115. Mais je vois pas, je la vois pas. Il a 215. À 114 ici. Peut-être ça. Cent quinze. Iflo. Voilà. Ce serait ici. Je crois. On va retourner. Je pense que ça doit être ça. Parce que là, si on va par là. Ah, je peux pas aller par là. Ouais, mais là, il y a. Oui. On voit que. On peut pas aller non plus. C'est pas grave. Il y a le train, donc c'est bon. Là, et puis là, à côté, il y a le fleuve, quoi. Et c'est la 115. Putain, si j'étais allé là, j'aurais vu que c'était la 115. Oh, ça me tue. Saoulé. Saoulé. Ici. Et voilà.
Et ben j'en ai chié sur celui-là. Nouvelle-Zélande, Laos, Tunisie, Guyana et Autriche. Chou.